Allez les gars, il faut lui couper la route. Pendant des décennies, l'ombre cachée dans la peau de Barbara Jagger avait dormi dans l'antre noir qui lui servait de prison. Affamée et souffrante, elle rêvait de ces nuits de gloire lorsque les écrits du poète l'avaient arrachée aux profondeurs, lui donnant le goût du pouvoir et de la liberté. Les stars du rock l'avaient sortie du profond sommeil dans lequel le poète l'avait replongée. Lorsqu'elle sentit l'écrivain sur le ferry, elle ouvrit les yeux. C'est un écrivain qui a chié sa carrière et bien mal. Cette horreur me suivait partout où j'allais. Elle m'encerclait. Les flics n'avaient aucune chance. Ils pensaient affronter un écrivain, pas un monstre. Pareil qu'elle a pas vu ce qu'elle est dans toi, oui.
quoi que ce soit. Je distinguais au loin les lumières de la station de radio. J'imaginais que l'antenne que je voyais au loin était celle de la radio locale. Maine semblait être un type réglo. Il pourrait peut-être me dire comment me rendre à la mine de charbon. Des ombres surnaturelles agrippaient la porte. Les ténèbres qui me suivaient voulaient me barrer la route. Je ne pouvais passer sans lumière. Le projecteur n'était pas alimenté. Le vieux générateur était mort. Je devais tenter de le réparer et réessayer. Il me fallut un moment pour reconnaître les armes. C'était des armes idéales dans ma situation.
Et voici un autre appel. Bienvenue sur KBFFM avec Pat Main. C'est Milk Peabody, Pat. Qu'est-ce qui vous arrive, Milk? Eh bien, j'habite près des mobile homes, Pat, et je peux vous dire qu'il y a du grabuge là-bas. En fait, c'est juste à côté de chez moi aussi. Vous avez une idée de ce qui se passe? J'en sais rien, mais il y a un paquet de voitures de police, des sirènes à tout va, et un hélicoptère qui survole le coin. Et je crois avoir entendu des coups de feu. Des coups de feu? Oui, c'était comme un pistolet. Ça continue de tirer? Non, c'était il y a 10-15 minutes. Ça a l'air grave, Pat. Je vous assure que ça n'a rien d'une fête. Eh bien, je vais passer un coup de fil au bureau du shérif, Milt. D'accord. Je vous tiens au courant dès que j'ai du nouveau. D'accord, merci. J'espérais que Mel me prêterait une voiture pour aller à la mine. Oh, bonsoir, Lorna. Que nous vaut votre appel? Merci beaucoup pour votre témoignage généreux, Lorna. Oh, voilà une surprise. Le célèbre auteur Alan Wake vient d'entrer. On va voir s'il veut bien nous accorder une interview. Entrez, monsieur. Oh, je suis ravi que vous ayez pris le temps de venir, monsieur Wake. T'as nulle part où aller, Dunbar ! Écarte-toi de Maine ! Livre-le pas ! Gardons notre calme. Posez votre arme. On est en train d'ici, pas vrai? Tout doux, Nightingale. On le tient, c'est bon. Nom de Dieu! Non, mais vous êtes complètement fou! Il y a un civil à l'intérieur! J'étais tombé de tant de falaises que c'en était ridicule. C'était le prix à payer quand on écrivait des polars musclés. C'était certainement une bonne chose que je n'ai pas eu le temps de dire à Mel où je me rendais. J'allais devoir semer les flics et trouver seul le chemin de la mine.
Nightingale contempla les bois sombres par la fenêtre cassée. Il se retourna, voulut quitter la pièce, mais Maine lui saisit le bras. « Jeune homme, vous m'avez presque tiré dessus. On ne tire pas comme ça sur les gens. Qu'est-ce qui vous prend ?» Nightingale se dégagea et sortit. La rage et l'humiliation lui brûlaient les joues. Il n'y avait aucune raison pour que la compagnie d'électricité laisse des lumières ici. On aurait presque dit qu'elles étaient destinées à quelqu'un comme moi. Thank you.
Sarah faisait confiance à son instinct qui lui disait que Nightingale était un salopard. Il pue Elvis. Et pas seulement la menace. C'était la façon dont il montrait son insigne, essayant d'en imposer. Son regard lorsqu'il attendait des réponses. Où était Alan Wake? C'était quoi cette histoire d'accident? Où était sa femme? Et surtout, pourquoi avait-elle laissé partir Wake? Il n'avait pas voulu répondre à ces questions. Mission fédérale, c'est tout ce qu'il avait dit. Mission fédérale. Allô? C'est l'homme le plus puté que je connaisse. Alice? Alice? Alan, Alan, j'ai tellement peur. Me laisse dans le noir. J'ai besoin d'aide. Je te regarde, Alan, mais ce n'est pas toi. Autre chose qui m'observe à travers toi. Alice, je suis là. Je me sens si seule. Je risque de tout perdre. Il faut faire attention. Et coopérer. La communication avait été de mauvaise qualité, mais ce n'était pas le détail qui me troublait le plus. Alice avait semblé étrange, mais elle m'avait appelé. Le tuyau se détacha de la structure en acier du pont. Enveloppé de ténèbres, il flottait dans l'air, remuant de façon convulsive. Un instant, je ne compris pas ce que je voyais. L'objet lourd fonça sur moi avec une force démentielle. Je me jetai pour l'éviter, et il me rata d'un cheveu. Quand je rallumai ma lampe torche, le tuyau s'agita rageusement avant de foncer à nouveau vers moi. J'apercevais un pont ferroviaire un petit peu plus loin, et une sorte d'entrepôt sur l'autre rive. J'espérais pouvoir y trouver une voiture. Voilà ce que j'ai. Alors que je commençais à m'intéresser à l'écriture, Stephen King avait été un vrai source d'inspiration. Je me rappelle tous les objets inanimés qui avaient pris vie dans ses romans. Nul n'est en sécurité dans les histoires d'horreur, le protagoniste est compliqué, la vie palpitante. Mais la réalité était tout autre. Les ténèbres pouvaient tout dévorer, et elles approchaient. Je lui claquai carrément la porte au nez. Il m'implora d'ouvrir la porte. Incroyablement, cet imbécile pensait vraiment que je lui obéirais. Je n'avais plus aucune pitié. Pas de culpabilité non plus, pas pour lui. Je pris un moment pour savourer le hurlement. Je parie que je souriais. Je n'eus le temps que de ça. L'ombre noire était à l'intérieur du chalet avec moi. Thank you.
Les ténèbres se précipitèrent sur moi, arrachant tout ce qui se trouvait sur leur passage, tirant sur mes vêtements. J'aperçus le feu à main que le ravisseur avait lâché, et je me jetai dessus alors que mes pieds quittaient le sol. Les ténèbres s'emparèrent de moi avec la force d'une tornade. Je réussis malgré tout à allumer le feu à main. Les ténèbres hurlèrent et me balancèrent au loin. Je tombai dans les eaux sombres du lac en dessous. Le lever du soleil ne m'avait jamais paru si beau. J'avais quelques heures devant moi pour me rendre à la mine. La mine de charbon n'était plus loin. Aujourd'hui, j'irai voir le ravisseur, et il me rendrait Alice. Je ne lui laisserai pas d'autre choix. J'étais prêt à tout pour la sauver. Petit à petit, sans m'en apercevoir, je m'étais mis à croire que l'histoire du manuscrit devenait réalité. Le courant de ce récit m'entraînait de plus en plus profondément dans les eaux noires. On m'avait enlevé Alice. Barry était sûrement en prison. J'étais un fugitif pour le FBI. Le monde entier, submergé par l'ombre noire, essayait de me détruire. Tout semblait réel, mais pourtant, tout paraissait relever d'un délire.
Ici Pat Maine et vous écoutez KBF FM. Les amis, je tiens à m'excuser de vous avoir laissé avec de la musique en boucle la nuit dernière. Mais j'étais retenu. Vous voyez, je suis tombé sur un cow-boy du FBI à la gâchette facile qui mériterait une leçon de politesse et un bon coup de pied au cul. Pas forcément dans cet ordre d'ailleurs. Je sais, les amis, que ce que je dis ne vous éclaire pas beaucoup et j'en suis navré. Je ferais mieux de garder ça pour moi. Mais ça me met hors de moi de voir des gens pareils porter un insigne. Et je suis bien content que notre shérif Breaker ait été là pour régler tout ça. Et si la personne que j'ai vue hier soir m'écoute en ce moment, je tiens à m'excuser si jamais mes paroles vous ont mis dans le pétrin. Je suis sûr que vous n'êtes qu'une victime dans tout ça. Courage, mon gars. J'espère que vous savez ce que vous faites. Bon, à part ça, le docteur Nelson sera avec nous toute la matinée. Et d'abord, un peu de musique. Vous écoutez KBF FM. J'espère que cette chanson vous a plu. Alors, Doc, vous parliez de la vie et de la recherche de sa moitié, de son âme sœur. Eh bien, c'est vous qui parliez de ça. Je disais que je n'y croyais pas. Vous savez, je trouve ça bizarre, car je vous avais toujours pris pour un grand romantique. Vous n'avez pas tort, Pat. Mais je crois que l'amour se trouve là où on le cherche. Et il faut chercher un sacré moment pour le trouver. Mais l'idée selon laquelle il existe quelque part un être qui nous est destiné, et que si on loupe le coche, c'est terminé et on reste à jamais incomplet, avouez que c'est déprimant. Je dirais même puéril, non? Il n'y a pas qu'un poisson dans l'océan. Ah, on dirait que notre docteur a une maxime de pêcheur pour tout. Mais vous ne trouvez pas votre raisonnement un peu pessimiste? Mais pas du tout. Je dis juste que la chance qu'on a de trouver cette relation si particulière ne se limite pas seulement à un coup du sort. En quoi est-ce pessimiste? Oui, en effet, c'est une jolie pensée. Mais laissez-moi vous parler de mon expérience personnelle. Oui? En fait, je ne m'oppose pas à ce que vous dites, mais ça ne correspond pas vraiment à ce que je ressens. À ce que je ressentais pour quelqu'un. Et c'était la femme de ma vie, la seule. Et elle, je l'ai laissée s'éloigner de moi. J'ai peut-être pas fait assez d'efforts, je ne sais pas, mais depuis elle, et ça fait longtemps maintenant, depuis elle, il n'y a eu personne d'autre, personne comme elle. Attention, je ne dis pas que je me morfonds, j'aime ma vie, je ne vis pas dans le passé. Mais ce qui me manque, c'est la façon dont elle me complétait. Le cœur a ses raisons, Pat. Désolé, les amis. J'ai eu quelques émotions fortes la nuit dernière, et disons que ça m'a un peu chamboulé. J'étais en avance. J'avais rendez-vous avec le ravisseur à midi dans le bâtiment principal. La mine était déserte. C'était un musée maintenant. Mott, épier l'écrivain sur le ferry, avait été une déception. Son patron avait dépeint Wake comme quelqu'un d'exceptionnel, mais Mott n'avait pas été épaté. Il avait longuement regardé la femme de Wake, qui lui avait bien plu. Mott avait songé à titiller Wake pour qu'ils se battent, mais cela n'avait pas eu lieu. Cependant, il aurait l'opportunité de voir si l'écrivain en avait dans le ventre, on le lui avait promis. Une fois Nightingale parti, alors que le vent de la nuit soufflait par la fenêtre cassée du studio, Maine regarda Sarah. Le shérif détourna le regard. La voix de Maine résonnait d'une colère à peine contenue. Ce type passe plus de temps à boire qu'à penser. J'espère que tu sais ce que tu fais, Sarah. Cet homme a l'air malade. Tu peux me croire. Il veut absolument trouver Wake, et pas pour faire ami-ami. Je ne voulais pas sortir.
Les flics devaient me chercher. Le soleil de midi faisait de l'endroit un vrai sauna. La journée s'éternisa. Divers scénarios me traversaient l'esprit. La façon dont j'allais torturer le ravisseur pour récupérer Alice, et les choses horribles qu'il avait pu lui infliger. Je l'imaginais morte. Je n'avais aucun moyen de savoir si elle était en vie. J'en étais malade. C'était l'espoir qui me faisait avancer. Ce ne fut qu'une perte de temps. Le fumier ne vint pas au rendez-vous. Wake, où est-ce que vous êtes? Changement de programme. Vous savez où est Mirror Peak? C'est la grande montagne au nord d'où vous êtes. Suivez le chemin partant de la mine. Vous pourrez pas la rater. Vous attendrez au poste d'observation. J'en ai assez de me faire travailler comme ça. Vous voulez revoir votre femme vivante? Dans ce cas, vous avez intérêt à changer de ton avec moi. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Je veux parler à Alice. Ouais, et moi je veux le manuscrit. Me faites pas attendre, Wake. Allô? Allô? Ah! Je vais le tuer! Je devais me rendre à Mirror Peak. Ouais, ouais. Le seul moyen d'atteindre le versant était de traverser le bâtiment. J'allais devoir éviter de me faire électrocuter.